dit, il est un, c'est dit. Ah ouais, vous avez vraiment laissé tomber, quoi. Non. C'est carré la ligue. Carrément, il filme, Adrien, comme ça, ça va. Quelqu'un est en train de filmer. Oh, qui filme? Ça nous donne. Il a trouvé sa taille, c'est bon pour lui. Voilà, c'est bon, même quoi. C'est ça. Nickel. Tu as nickel. Ce qui se passe entre ton cœur et par ta tête, ok? Demande à l'excès de sérité, d'accord?
Thank you.
un message. Là, durant toute la chaîne Paul, j'ai reçu énormément d'insultes racistes. De mon côté, des frères à moi contre lui et des amis à lui ou des fans à lui contre moi. Hey, c'est pas normal, les gars. C'est du sport. C'est du sport. J'ai deux enfants, je le veux pour m'amuser. Paul, il vient d'arriver, je parle au monde entier. La carte qui est eue ce soir, je parle au monde, elle va arriver, elle va faire très très mal. Merci à Paul et à tout le monde. Je suis content parce que j'ai réussi à gérer la pression. Les gars, ils m'ont bien entraîné, à bien me pousser, à me chanter dessus, essayer de me déstabiliser, j'ai vu que ça allait arriver. Je suis resté concentré, focus, je m'entraîne dur depuis longtemps, même s'il y a des gens qui croient que. J'ai eu ça gratuitement, je me suis battu depuis longtemps. Je pars au monde aussi dans un mois, ça va être exceptionnel dans l'Albanie. Et puis les gars, je suis obligé, mais c'était une victoire, tout simplement. Si vous avez avec vos félicitations, c'est une bonne fois. Trop content, les gars, trop content. Ça va, frérot. On se voit après. Les commentaires n'ont rien à voir avec Paul, ni Alex, ni le staff, d'accord ? On oublie que Johnny Crash est l'entraîneur de Paul également, d'accord ? Rien à voir avec eux. Mais les gars, Quand on est avec vous dans la classe, ça m'a fait mal au cœur. On n'est pas là-dedans. Alex, pour de vrai, il a reçu de l'année de DM, t'as vu, moi j'ai Non, t'inquiète. Les gars, c'est carré. Les gars, on peut applaudir, les gars. Et celle de Patrick, elle est partie de ouf. Ah ouais, comme des dents. Normal. C'est un boss, Patrick. Putain, les gars, il reste combien là? Aïe, encore 100. Non, non. Les gars, sérieux? Non. Par contre, t'as mis le jeu Déterminé, focus, le relâcher. Déterminé. Vas-y, moi!
Quelques petites frappes, Thomas. Et on se lève avec les supports. On continue.
Oh,
ça qu'on fait, mon pote. Les gars, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour mon adversaire, s'il vous plaît. Il est venu en 24 heures de championnat. Je vous jure, même moi, honnêtement, si j'en ai affronté, je le fais pas. Voilà. Frère, t'es un bonhomme, voilà. Je te jure, t'as des plus grosses que pas mal de gens ici. Gros respect. Gros respect. Maintenant, néanmoins, j'ai entendu que ça parlait de moi quand j'allais faire mon entrée. Frérot, c'est comme ça qu'on devient double champ, sans décision, frérot. Sans décision. On est intelligent. On fait dormir ici. Est-ce que c'est un call-out ou un combat en particulier? Soyons clairs. La revanche. Y a pas de call-out. Frérot, ça y est. Je pense que j'ai assez prouvé. Ici à l'AEF, 77. Je me suis pesé habillé. J'étais à 80 kilos, les gars. Je me suis pesé tout habillé. Ici, je suis double champ. Mais j'ai une phrase à dire. Les gars, c'est que quand je disais maintenant c'est chez moi, les gars, ça fait trop plaisir d'être un Belge et que je vois le love que je reçois des Français. La vérité, vous êtes des loups. Vous me supportez à tous les fights, les fans français, les médias. Merci à tous. RMC, merci pour la force que vous me donnez. Donc à chaque fois que je fight en France, je suis chez moi et il n'y a personne qui va me dire que je suis pas chez moi. S'il a un problème, je l'éteins. Rendez-vous le 13 janvier 2024. Pour l'édition de l'AEF 5. Oh, oh. Écoutez, il y aura aussi le lancement de l'organisation professionnelle. Le mot de la fin, poteau, il a dit, il est éteint, c'est tout, finish.